forcément, on a enchaîné trois défaites, dont une inadmissible, une deuxième un peu mitigée, la troisième, voilà, on est passé à côté du match. Donc voilà, il fallait réenchaîner sur autre chose et on l'a fait ce soir face à une très grosse équipe de Brive ce soir. Bah, on s'en est mieux sorti parce qu'on a été déjà un peu plus précis déjà dans la zone de marque. On a moins pris des essais bêtes, même si on en prend quand même pas mal. Ils viennent 4 fois dans notre camp, ils en marquent 4. Donc ça, c'est un point à nous. Il faut qu'on s'améliore là-dessus, sur des petites erreurs à chaque fois. Donc voilà, l'énergie a été positive du début jusqu'à la fin. Donc que ce soit offensivement ou défensivement, on s'est pas lâché. Et on a joué jusqu'à la fin cette fois-ci, donc et pendant 80 minutes aussi. Oui, forcément, quand tu as des pétés devant, surtout des mecs costauds, bah, c'est compliqué de rivaliser contre un pack qui est dense. Et là, on savait que ce soir, leur pack allait être dense. Ils ont fait un 7-1. Donc, ils ont mis 7 avant et un 3 quarts sur le banc. Donc, ils savaient qu'ils allaient nous prendre sur le combat et devant. Donc, voilà, on a su répondre présent. Les mecs qui sont revenus nous ont apporté un bien supplémentaire. Et voilà, maintenant, c'est à nous de rester là-dessus. On a fait une belle performance. Maintenant, il faut rester sur ces standings et pas rebaisser ou baisser notre niveau. Non, on n'y a pas pensé, parce qu'il reste encore du temps. Surtout qu'on avait pris un carton jaune aussi, donc on a laissé passer le mauvais temps là, qui est pendant les 5-10 minutes. Et après pour repartir à 15 contre 15, et ça nous a plutôt bien réussi. Voilà. Comme j'ai dit, on a été solidaires du début jusqu'à la fin, même dans les temps faibles. Dans un match, on a toujours des temps faibles, et là, ce temps faible, on l'a plutôt bien géré, même si on prend un peu des points. Mais voilà, on a su repartir de l'avant pour rester devant et creuser un peu plus l'écart. Oui, forcément, quand il y a 10 minutes de la fin, tu as une pénalité en face des poteaux, et qu'on était à plus 18. Quand tu regardes la fin du match et qu'on prend un essai à 5 minutes, un dernier essai à 5 minutes de la fin et qu'ils sont à 12 points, si tu enlèves les 3 points, on aurait pris un peu le feu, je pense. Donc voilà, les leaders ont plutôt bien géré là-dessus, sur prendre les points, prendre la touche à certains moments, et ça nous a réussi. Donc voilà. Ouais, c'est compliqué la saison, c'est entre les points en moins, les certaines défaites, enfin voilà, c'est notre saison qui est comme ça, donc à nous de faire en sorte de voilà, partir de ce soir, d'entamer une bonne dynamique et de viser le haut, parce qu'on n'en est pas loin, mine de rien. Là on doit être à 4 points, je crois, ou 5 points. Donc on n'est pas loin du top 6, même si les autres équipes n'ont pas joué. Mais on est entre deux, donc forcément maintenant les points vont compter pour soit accrocher le wagon qui est du top 6, soit se bagarrer avec les équipes en bas. Mais c'est pas notre. On s'est parlé cette semaine et c'est pas notre vision des choses de se battre avec les équipes d'en bas. Nous on veut se battre avec les équipes qui sont au-dessus, et on l'a bien fait encore ce soir. Tout bon ? Merci, Romain. Merci. Merci. Bonne fin de soirée. Bravo. Merci.